If you run with me, I got a word for the both of us. I'll put you in the driver's seat. Et coucou tout le monde. Aujourd'hui, je viens vous présenter un petit album qui fait une trentaine de photos. C'est un album cascade. C'est un album donc où les pages sont en format dégradé et sans aucune structure. Je pense qu'il faudrait une structure parce qu'il est quand même un petit peu mou. Bon, j'ai mis du papier 300 grammes, c'est doublé tout ça, mais c'est un petit peu mou quand même. Donc là, j'ai fait avec la collection On Upon a Time, Papier for You. C'est La Belle et la Bête. Voilà. Donc, ça fait trois petits albums collés l'un à côté de l'autre, des autres. Alors, sur l'arrière, j'ai mis la photo. Enfin, je trouve que l'illustration... que les dessins sont pas top. Il y a de plus jolis dessins, mais bon. Et là, donc, sur la tranche, j'ai juste mis deux petits charms. Donc, il y a la théière et la petite tasse. Et puis, il y a La Belle et la Bête qui danse. Donc voilà, donc ça c'est ma petite tranche et là c'est fermé par des rubans or et bleu marine. Alors j'ai tout maté en bleu marine. Voilà, donc là la couverture, un petit montage de fleurs, des die cuts que j'avais pris aussi. Et un gros chime avec le chandelier. Alors, on ouvre. Après, c'est très simple. On aurait pu rajouter d'autres parce que quand même, j'ai fait un écart de 2,5, je crois. Ouais, de un pouce et 2,5. Donc, on peut remplir. Hein. Là, j'ai juste... mis le minimum. Donc là par exemple la première le premier format c'est 16, le deuxième format c'est 18,5, le troisième format c'est 21 et le dernier format c'est 24. Voilà, ça fait un dégradé de format. Alors là, donc, un stop. Là, j'ai fait une petite pochette en dentelle. On peut mettre une carte ou un livret. Là, on pourrait très bien mettre une carte aussi. Et ça se ferme par des aimants. Sur la deuxième page, alors normalement, j'aurais dû mettre la cascade là et je me suis trompée, je l'ai mis par là. Mais bon, c'est pas grave. J'ai fait une cascade de 3 feuilles. Là, une petite pochette avec une carte ou un livret. Là, pareil, on peut mettre ou une photo ou un stop et mettre un livret. Et sur le devant, là, ça fait une photo et on peut mettre du journaling. Voilà. Sur celle-ci. Alors, sur celle-ci, un stop avec un livret. Et sur cette page-ci, une pochette. On peut mettre ou des encarts photos, des livrets, parce qu'il y a de la place. Hein. Là, j'ai mis un petit livret. Là, on peut mettre une photo aussi. Hein. C'est pas... Là aussi, si on veut.
Alors, non, ça va comme ça. Et sur celle-ci, donc, pareil, pochette avec carte ou livret. Là, j'ai mis un livret. Là, j'ai mis des tas qu'il y avait dans la collection. Voilà. Et là, j'ai mis un emplacement photo. Et là, si on veut, on peut mettre aussi une photo. Après, je vous dis qu'on tient une trentaine de photos. Alors, prochainement, si vous voulez, je vous ferai le tuto de cet album Cascade. Alors, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et bye bye.